Saint nous enseigne que rien ne nous est interdit. Jadis, je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal, quel qu'en soit le coût. Je comprends maintenant. Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement. Les idéaux s'effacent au profit du dogme, et le dogme ouvre la voie au fanatisme. Aucune puissance supérieure ne nous juge. Aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés. En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions. Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile. Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs. Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous, et ils nous combattent en retour. Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte. Même lorsque nous mourrons pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous.